Good morning, Aleiden. Les juifs aujourd'hui, le lundi matin, Rabbi Yonah ben Chana, Peggy bat Esther, Nissim ben Amuda Michel Novikov, Vassilir Fouat, Ruth bat Claudine Traina, Simcha bat Masoudi, et Ephrat Mayan bat Léa Betor, Char Cholé Israël, El Narefana Lahen, El Narefana Lahen, El Narefana Lahen. Et nous étudions aujourd'hui Masechet Edouyot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Eilu Dvarim Mekule bet Shamay Umechumre bet Hillel. Beitza shenolda biyom tov, bet shamay omrim te'achel, ubet hilel omrim lo te'achel. Bet shamay omrim se'or bekazait v'chametz b'chakotevet, ubet hilel omrim zebaze bekazait. On a, petit rappel d'abord, lorsqu'on a commencé Masechet Edouyot, on avait expliqué que Masechet Edouyot, dans son principe initialement, elle réunit, elle récolte tous les témoignages qu'il y a eu ce fameux jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été lui le nasi. On avait mis Rabban Gamliel de côté, et puis on avait nommé Rabbi, et ils ont nommé Rabbi Elazar ben Azaria. Ce jour-là, il y a eu plein de Tanaïm qui sont venus, plein de personnes qui sont venues témoigner sur toutes sortes de halakhot. On les a regroupés, on en a fait Masechet Edouyot. Du coup, dans Masechet Edouyot, Chachamim en ont profité aussi pour réunir toutes sortes de discussions originales, semblables, comme ce qu'on avait vu dans les pérecs précédents. Trois choses, de Rabban Gamliel qui était Mahmir, et l'autre, d'accord. Et puis maintenant, dans ce Perek d'Alet de Masechet Edouyot, on va découvrir les discussions originales entre Beth Shammai et Beth Hillel. De manière générale, Beth Shammai et Beth Hillel, on les rencontre dans tout le chasse. C'était les deux grands yeshivotes de l'époque, et sur plein de sujets, il y avait les Talmidei Beth Shammai et les Talmidei Beth Hillel qui étaient en discussion. En général, Beth Shammai est de nature plus stricte que Beth Hillel, et Beth Hillel donc plus permissif. Et dans quelques discussions, il y a quelques discussions qui font exception à la règle. On va voir que Beth Shammai vont être les Mekilim, les plus permissifs, et Beth Hillel les plus Mahmirim, et on a un Perek entier qui réunit ces Mahlokot. En réalité, il y a encore d'autres discussions qui se trouvent dans le Masechet Ohalot, c'est rapporté ici, mais en tout cas, elles sont pour la plupart rapportées ici. Elu dvarim mekulei Beth Shammai umechumrei Beth Hillel. Telles sont les discussions sur lesquelles mekulei Beth Shammai. Beth Shammai sont les mekilim, kula, les hakel. Ils sont plus permissifs. Umechumrei Beth Hillel. Et Beth Hillel sont les plus stricts. Première discussion. Beitza sheinolda beyom tov. Un œuf qui est né pondu à yom tov. Beth Shammai umrim te'achel. Beth Shammai disent Teachel, on a le droit de la manger. Elle pourrait être mangée. Cet œuf, il pourrait être mangé. Ou Beth Hillel omrim, lo teachel. Et Beth Hillel pense qu'on ne pourra pas le manger. Et en fait, on n'aura même pas le droit de le déplacer. De quoi parle-t-on? Alors, je vous fais deux petites introductions. D'abord, le principe d'abord de la Mishnah. On va découvrir qu'en réalité, il y a un œuf sur lequel, dans une configuration particulière, un œuf qui est théoriquement interdit, qui est interdit d'après Beth Hillel, et à cause de cette configuration particulière, Chachamim ont interdit tous les œufs qui sont pondus pendant Yom Tov. Quelle est la raison? D'abord, quelle est la configuration? La configuration, c'est lorsqu'on a un Shabbat et le lendemain, on a Yom Tov. L'œuf qui est pondu à Yom Tov n'aura pas le droit d'être, ne pourra pas être mangé et ni même déplacé selon Beth Hillel. C'est une question de Mechin, de Hachana, qu'on va expliquer dans quelques secondes. Donc, suite à cet interdit particulier dans la configuration de Yom Tov après Shabbat, donc Shabbat et après, ensuite, après il y a Yom Tov, alors Chachamim ont dit, tous les œufs qui vont être pondus le Shabbat, le Yom Tov, ne pourront plus être consommés. D'accord? Quel est cet interdit? C'est l'interdit justement de Mechin. Mechin, pour ceux qui ont reçu le 5 minutes ou qui vont recevoir dans le prochain jour, on en parle, on en reparle dans 5 minutes de ce mois-ci, étant donné qu'on va le fameux interdit de Mechin de préparer depuis Yom Tov pour Chol, Yom Tov pour Shabbat, si ce n'est avec le Eruv Tafilin qu'on va devoir faire en Rosh Hashanah. Mechin, préparer. Lorsqu'on a Shabbat après-midi par exemple, on a envie, et Motsi Shabbat, à la sortie de Shabbat, on prévoit de recevoir des invités, on a envie de commencer à ranger la maison. Et bien on n'a pas le droit de ranger la maison. On n'aura pas le droit de faire la vaisselle non plus pendant Shabbat, si c'est pour avoir une maison propre à la sortie de Shabbat. Interdit de Mechin. Celui qui doit voyager Motsi Shabbat n'aura pas le droit de faire sa valise pendant Shabbat. D'accord? C'est à cause de l'interdit de Mechin, on n'a pas le droit de préparer d'un jour saint pour un jour profane. Selon la même idée, c'est un peu plus délicat, mais je vous le dis grossièrement,
Et vous regarderez, vous apprendrez si ça vous intéresse, vous verrez mieux dans le Barthénois. Ça se trouve essentiellement dans la Serrette Beta en réalité. Lorsqu'on a un Shabbat, et juste après le Yom Tov, on a une règle que l'œuf qui est pondu aujourd'hui, eh ben, il était 24 heures en préparation depuis la veille. Donc, lorsqu'on a un Yom Tov qui tombe le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire que l'œuf qui est pondu pendant Yom Tov a été préparé depuis avant, donc depuis pendant le Shabbat. Il s'avère que Shabbat a préparé pour le Yom Tov, même si l'homme n'a pas été actif dans toute cette histoire, ça s'est fait de lui-même. Il y a une halakha particulière que malgré tout, préparer le repas de Yom Tov, il doit être préparé depuis Chol pour Shabbat. Et pas depuis Chol pour Shabbat ou Chol pour Yom Tov. Mais pas depuis Shabbat pour le Yom Tov, même si ça s'est préparé de soi-même. Telle est l'avis de Beit Hillel. Donc, suite à cause de cet interdit de Mechin, assez original, c'est-à-dire de manière générale, Mechin, préparer, c'est lorsque moi, activement, je vais préparer, je vais faire quelque chose. Là, l'œuf, même s'il se fait de lui-même, dans le ventre de la poule, il se fabrique de lui-même. Malgré tout, on va voir qu'il n'a pas été préparé en Chol, il a plutôt été préparé d'un Shabbat pour Yom Tov, donc il y a un interdit de le manger, même un interdit de le déplacer. Ça, c'est l'avis de Beit Hillel. Et Beit Shammai pense qu'il n'y a pas de problème de Mechin, on n'a pas besoin de voir les origines de l'œuf qui est pondu, c'est pas notre problème, il y a un œuf qui est là, tu manges. D'accord ? Pendant Yom Tov. Donc, suite maintenant à cette configuration interdite, Beit Hillel ont dit, tous les œufs qui vont être pondus pendant Yom Tov, vous n'aurez pas le droit de les manger à cause de cette configuration spéciale. Et Beit Shammai permet tout. D'accord ? On a fini la première discussion, on passe à la deuxième discussion. Beit Shammai Omrim, on va parler cette fois-ci du Chot dans Pessah, le Chametz. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai enseigne, c'est Or Bekazait, Vechametz, Bechakotevet. Beit Shammai pense que c'est Or, le levain, la quantité est de 1 kazaït, la taille d'une olive, le volume d'une olive. Vechametz, Bechakotevet. Tandis que le Chametz, qui est le pain lui-même, on va expliquer la différence, c'est la taille requise pour transgresser l'interdit, qu'on va expliquer lequel, c'est Kakotevet, comme la taille d'une date. Kotevet, c'est une date. D'accord ? Au Beit Hillel, on rime. Et selon Beit Hillel, non. Zevaze, Bekazait. L'un comme l'autre, c'est-à-dire le Seor ou le Chametz. Le levain comme le pain. La taille, le volume requis pour transgresser l'interdit, du Chametz ou du Seor, sera d'une taille de 1 Kazait. On explique c'est quoi le Seor et c'est quoi le Chametz. D'abord, il y a le levain. C'est le produit par lequel on fait monter le pain, c'est en général de la pâte pourrie, qui a cette faculté de pouvoir, qu'on va en prendre un petit peu et on va la mettre dans du pain, et le pain va gonfler. D'accord ? Ça c'est le Seor donc, et le pain une fois qu'il a gonflé, ben, c'est du Chametz. Ça peut être un gâteau, ça peut être du pain, peu importe. C'est une pâte qui a gonflé qui est consommable, à la différence du Seor qui n'est pas tellement consommable en réalité. On ne mange pas du levain de manière générale, c'est plutôt un produit devenu chimique. C'est fait naturellement avec du pain qui a trop fermenté. Voilà, c'est le levain, donc le levain et le Chametz, c'est le pain levé lui-même. La pâte interdite. Selon Beit Shammai, ils déduisent ça de Psukim, qu'il y a deux volumes requis. Non pas pour la consommation, c'est-à-dire, si on consomme du Chametz ou du levain, dès qu'on va consommer un kazaït, on aura transgressé l'interdit de la Torah. Ça, c'est pour la consommation. Ça, même Beit Shammai reconnaît que c'est ça, le volume requis pour transgresser l'interdit de consommer. Maintenant, par rapport à l'interdit de posséder, à part, vous savez bien qu'à Pessah, outre l'interdit de ne pas consommer du Chametz, on ne doit pas non plus posséder du Chametz ou du Seor. Eh bien, selon Beit Shammai, l'interdit de transgresser l'Oiralecha Chametz, l'Oiralecha Seor, Bechol Gevolecha, la Torah elle a explicité ici deux interdits différents, de ne pas avoir ni du Chametz, mais ni du Seor, ni du pain, ni du pain, ni du levain. Et bien selon Beit Shammai, il déduit ça de Psukim qu'il y a deux volumes différents pour chacun des produits. Pour le Seor, à partir d'un volume de 1 kazaït, donc une mesure plus petite, tu transgresses déjà l'interdit de posséder du levain, tandis que pour l'interdit de posséder du pain, il faut nécessairement avoir une taille de une kotevet, d'une date. Et selon Beit Hillel, il n'y a pas de différence que zebazé bekazaït, les deux, le levain comme le pain, la mesure sera établie à 1 kazaït uniquement. Dès que tu auras plus que le volume d'une olive, eh ben, tu transgresseras l'interdit de posséder du Chametz pendant du Chametz ou du Seor pendant Pessah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.